Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est un bon travail qui a été fait. Bien entendu, dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leurs conclusions nous rassurent parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc, en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023. Et rappelez-vous de ça. Si vous allez être candidat, je vous encourage de prendre ça très au sérieux. Notre sit-in devant le bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Nous avons reçu une correspondance signée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa nous disant que cette zone, c'est une zone neutre et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Il a décrété la même chose pour les tronçons allant de l'aéroport de Ndjili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-in déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège de la Commission électorale nationale dite indépendante. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi ? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. Et ces élections crédibles, ça commence par un fichier électoral fiable. Et ce que la CENI a fait, a produit, c'est un torchon que personne ne peut accepter. Donc, peuple congolais, déjà nous vous avons remercié pour votre participation massive à la marche du 20 mai. Et nous vous appelons encore pour demain matin assister et participer au sit-in. Merci beaucoup. Nalingala makambo ya koloba ya mingi te.
toyawa to vandling to zaliawa pona koyebi saba congolaise nyonso na ba congolais ete mokolo ya lobby mokolo ya mine 25 mai ya mobutu to zali tokozala biso nyonso liboso ya bureau ya CENI tokotele mawana pona koyebi saba to ba kokamba CENI na ba obatindi bango ete toboyi makambo bango bazali kosala makambo yo balingi ba fraude lisusu na ba election makambo yo babimisili biso mikanda oyo eza na kombo ya bato bato wana tomoni ndenge basali makambo wana te bato wana toyebi pai bawuti te makambo bango bakomi kuna na kati toboyi yango na motema moko tokotelema wana mpona koloba na bana ya mboka ete tolingi ba election oyo eza komona polele polele tolingi ba election oyo ya moyibite tolingi ba election moto nyonso mwana ya mboka au Congo alingi ko zala candidat zala candidat tolingi ete tango ba election ekosila bato oyo bachaki makasa na urne wana tango ekobima ebima ndenge bango bachaki bongo ba resultat ezala oyo bana mboka balingi po tolembi pasio toza komona pasio yo bakomiango na constitution na biso euti mpona banda 1960 ba institution nyonso eza kokota na kati ya mboka ezali légitimité elingi koloba peuple atinda bango kuna te peuple apona bango te kaka miko nyonso moyibi moyibi yango wana tolingi sikoyo tozala na oyo tobengaka la vérité des urnes. Vérité des urnes et qu'on banda d'abord la fichier électoral. Monto mon côté, andi ma fichier Oyo, CENI a fabriqué. Zali ya Mouhibi. Merci. Banamboka, lobi na Tongo, lobi mokolo ya mine, biso nyonso, liboso, ya bureau, ya commission électorale. Melesi Mingi, Nzambe ya Pambola Bino. Je vais vous dire que la situation sécuritaire, si nous étions un pays sérieux, composé de citoyens sérieux, personne ne pouvait accepter que ce genre de manifestation soit organisé. Mais parce que nous avons sur notre tête une communauté internationale qui doit chaque fois nous dicter la ligne à conduire pour la gestion de nos affaires internes, cette communauté internationale avec cette presse internationale qui distribue des points, nous sommes parfois obligés de tolérer certaines choses qui nous font mal pour ne pas être accusés, être transférés devant la Cour pénale internationale, pour ne pas être sanctionnés financièrement, pour ne pas être interdits de passer ici et là. Et cette attitude fragilise nos États.